En tant que nouvel habitant de Saint-Yrieix-la-Perche, je tiens à signaler que les établissements culturels et la bibliothèque de Saint-Yrieix-la-Perche sont extrêmement peu fréquentés en 2021. Depuis la mise en place de la loi discriminatoire sur les passes sanitaires. Nous vivons en face de les établissements culturels et presque personne n'y va ces jours-ci. Les établissements culturels sont maintenus grâce à la subvention INCE, le problème c'est qu'il y a une grande pénurie de médecins et de dentistes depuis 2020. Nous payons des cotisations mensuelles à la sécurité sociale mais toutes les places sont occupées par des personnes âgées, il n'y a donc pas de place pour les jeunes pour aller chez le dentiste ou chez le médecin. Si vous êtes malade, vous ne recevrez pas d'aide. L'investissement dans les petites et moyennes entreprises, PME, dans lesquelles travaillent également de nombreux jeunes est également très désolant. Alors que ce sont justement ces commerces qui font vivre la ville. De nombreuses lettres à la municipalité ont fait peu de différence. Nous avons constaté qu'il n'y a pas eu d'amélioration sous le régime de Macron, nous avons donc placé tous nos espoirs sur Éric Zemmour.